Donc du coup, je vous annonce que si je fais une vidéo, ce sera écrit collaboration commerciale. Pourquoi ? Parce que je sais que je vais être emmerdée, mais je ne suis pas rémunérée. Que ce soit bien clair, quand même. Je tiens à le dire. Je pense que les poudres aspirateurs, c'est un achat inutile. Alors dis-toi bien, Maria, que l'avantage quand je propose quelque chose, c'est que tu n'es pas obligée de l'acheter. Je ne force personne à faire quoi que ce soit. Si toi tu trouves ça inutile, eh ben n'en achète pas. Nous n'avons pas besoin de personnes comme toi, tu sais. Il y en a plein dans le live qui vont certainement ne pas en commander, mais ils ne viennent pas tous dire oh bof, non. Et comme je te dis, tu es déjà sur la sellette parce qu'à chaque fois tu es aigri. À chaque fois tu trouves quelque chose à dire et vraiment ça m'énerve. Donc je ne t'ai pas encore banni parce que j'ouvre le live, ça a bugué, t'étais en boucle sur t'es aigri. Oui, il y a quelqu'un qui est aigri et ça m'énerve. À chaque fois je me dis vas-y je vais la bannir, après je me dis ouais mais du coup elle va aller s'énerver sur d'autres gens. Tu peux dire ce que tu penses, mais si ce que tu penses n'est pas plus intéressant que ne rien dire, ne le dis pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que sinon, du coup, eh ben, on n'a pas fini, tu vois, parce que tu vas dire ce que tu penses, mais comme ce que tu penses, c'est jamais positif, ben moi, à chaque fois, je vais rebondir là-dessus, donc moi aussi, je vais devenir aigrie. Et donc, après, on va faire un live d'aigrie et... Et puis c'est chiant quoi, tu vois. Déjà dehors il fait moche, alors si en plus les gens là sont moches, tout le monde est moche, on parle moche. Ouais, puisqu'il faut se taire, moi je pense qu'il vaudrait mieux que tu te désabonnes toute seule. Parce que je vais forcément du coup te bannir parce que là ça fait plusieurs fois et ça commence à me saouler. Voilà. Mais c'est gentil d'être passé en tout cas. Voilà, merci. Salut Maria. Ah, aujourd'hui on cuisine pas. Je me suis maquillée, préparée. Mais on ne cuisine pas. Comme j'ai dit, c'est les vacances, les enfants ne sont pas là. Et du coup, ben, ça sert à rien que je fasse tous les jours des recettes. Parce que du coup, nous, on va pas les manger. Parce qu'on n'est pas forcément trop gâteaux. En plus, on essaye quand même de faire attention, hein, même si on n'est pas un exemple de nutrition, etc., etc. Voilà. Du coup, je ne fais pas des recettes tous les jours. Oui, le code Loli, du coup, c'est en majuscule. Hein, L-O-L-L-Y, mais en majuscule pour les 20% sur les poudres aspirateurs. Oui, bah c'est ce que je vais faire. Je vais mettre que c'est collaboration commerciale non rémunérée. Je vais le préciser parce que vu que là, il y a un code promo et que le code promo, c'est Loli, forcément, on va me dire « Ah, oh, mais c'est collaboration !» Alors qu'en fait, c'est juste Toff qui a décidé d'être sympa et que du coup, moi, je vous en parle. Mais moi, je ne vais pas toucher de com sur ce que vous allez acheter ou pas ou quoi. Non. Mais bon. Puisqu'il y a des gens qui aiment bien, qui comme Maria sont un petit peu, t'as vu. Exactement, le but c'est de faire plaisir, moi je ne gagne rien du tout, je vous le partage. Voilà, mais je vais le mettre parce que voilà quoi. Oui, les collaborations ne sont pas systématiquement rémunérées, mais dans ce cas, tu as au moins reçu le produit. Moi les produits que j'achète je les paye. Il va pas m'envoyer 3 kilos de poudre d'aspirateur parce que du coup j'ai fait le code, enfin je partage le code promo. Non, c'est donc c'est pour ça tu vois que c'est pas une collaboration parce que du coup j'ai pas de cadeau et j'ai pas de rémunération, donc il y a vraiment rien, c'est juste que je partage. C'est un petit peu comme quand je dis allez tous sur le live de Céline ou allez tous sur le live de Cocoa, machin. Il n'y a pas de... Tu vois?
Mais bon, je préfère le faire quand même si je fais une publication en disant que voilà, c'est une collaboration, machin, machin, parce que j'ai pas envie qu'on m'embête avec ça, tu vois. Si tu ne peux pas dire un mot gentil, tu ne dis rien du tout. Pan pan dans mon pied. Oui, vaut mieux, voilà, après. Tout ce qui est Guy de Marle et tout, par contre, je ne céderai pas et je ne le ferai pas parce que ce n'est clairement pas une collaboration, ni de près, ni de loin, ni rien du tout. C'est mon travail, je suis BDI, j'ai donc un contrat, etc. Donc clairement, ça n'a rien à voir. Donc quand on me dit oui, tu devrais, eh ben non. Ça par contre, je ne changerai pas d'avis, je ne le ferai même pas pour faire plaisir ou pour ne pas être emmerdée. Mais par contre, sur des choses comme ça, là, comme pour Cocoa et tout, là, par contre, je le fais parce que, voilà, j'ai pas envie d'être embêtée. Même si, clairement, si je ne le faisais pas, je ne serais de toute façon pas emmerdée. En tout cas, ce n'est rien d'illégal, c'est ça que je veux dire, étant donné que, y a rien du tout. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de rémunération, voilà, c'est tout. Oui, ils mélangent tout alors qu'ils y connaissent rien. Exactement. Franchement, c'est totalement ça. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas. Moi, j'ai contacté Guy de Marle. J'ai parlé avec eux justement suite à ça. Parce que, comme j'ai dit, si je devais, tu vois, si j'étais obligée de le faire, je le ferais. Qu'est-ce que je m'en fous d'écrire collaboration commerciale si ça en est une ? Ça ne me pose aucun problème, je ne suis pas taxée, je ne suis pas je ne sais quoi. Si je fais ça, ça ne me coûte rien du tout de le faire. Mais si je ne le fais pas, c'est parce que j'en ai pas besoin. Donc je ne vais pas le faire juste pour dire « Oh bah oui, ils m'ont tous emmerdé, machin, du coup Guy de Marle, oui, c'est une collaboration commerciale. » Non, non et non, c'est tout. Donc ça par contre, je ne céderai pas. Là, pour les poudres aspirateurs et tout, je veux bien, parce que oui, je partage un code promo, du coup, forcément, ça peut prêter à confusion et tout ça. Maintenant, si on vient me contrôler et qu'on me dit « Bonjour Madame Sazinski, dis donc, vous avez fait une collaboration commerciale avec Cocoa pour les poudres aspirateurs », je vais dire « Bah écoutez, vérifiez tout, hein, les comptes, les machins, les trucs, fouillez ma baraque si vous voulez, je n'ai absolument rien reçu. » Voilà. Mais je le fais parce que j'ai pas envie qu'elle soit signalée à Donf, qu'elle soit supprimée, etc. etc. Donc voilà. Mais par contre, pour Guy de Marle, comme j'ai dit, là, je ne céderai pas parce que c'est mon travail. C'est pas pareil, tu vois. C'est mon travail, en fait. J'ai un contrat. Donc non. Et Guy de Marle, eux-mêmes, m'ont dit que non. Toutes celles qui font des vidéos, des publications, etc., jamais elles n'ont mis collaboration commerciale, à part les influenceuses qui ne sont pas conseillères et qui, elles, organisent des concours Guy de Marle, etc. Là, oui, c'est des collaborations parce qu'elles ne sont pas conseillères, elles font participer les gens à un concours, etc., mais ça n'a rien à voir, elles ne sont pas dans la VDI Guy de Marle. Les gens sont pas fous. Mankana. Ils croient qu'on a que ça à foutre en fait, à vouloir ne pas mettre collaboration commerciale, tu sais. Comme si ça nous coûtait quelque chose de le mettre. Bah surtout comme j'ai dit, oui, moi, ça fait des années que je dénonce ça quand même. Depuis le début de YouTube, moi je dénonce les gens qui font croire. Les influenceuses au début là qui faisaient les vlogs maman, qui faisaient des collabs quasiment dans tous les vlogs, qui étaient des collabs rémunérés et qui le disaient pas aux gens en faisant croire que le produit était magnifique. J'étais le premier à dire ça. Oui, donc du coup, pour la poudre aspirateur, donc vous en mettez dans vos sacs aspirateurs. Moi, ce que je fais, c'est que j'en mets aussi un petit peu par terre et du coup, hop, j'aspire. Comme ça, après, ça se met dans le filtre et tout. J'en mets aussi dans le réservoir d'eau. Vous pouvez en mettre sur les matelas, c'est ce que j'ai fait moi la dernière fois, j'avais fait une vidéo, j'ai mis sur le matelas, vous frottez un petit peu, après vous aspirez et du coup bah, le matelas a cette odeur en fait de poudre, enfin cette odeur que vous aurez choisie, moi c'était linge propre, non ? Ouais, linge propre et j'en avais une autre, c'était, je sais plus, c'était un parfum. Enfin, un parfum, je sais plus. Oui, dans les chaussures, ouais, la vie est belle.
Donc dans les chaussures, les sièges de voiture, les coussins, les rideaux, vous pouvez mettre, vous savez, un petit peu. Parce que du coup, comme je vous ai dit, c'est à base de bicarbonate. Donc du coup, vous pouvez le mélanger à un petit peu d'eau. Et après, vous parfumez vos rideaux, les coussins, le canapé, les trucs comme ça. Non, il y a plein d'utilisations à faire avec. Tu vas faire comment alors ? Je vais en faire fondre, déjà la majorité je l'ai fait fondre dans le bol qui va offrir au micro-ondes. Je rajoute à la préparation quand ce sera bien refroidi. Ouais. Et ensuite je lance et au bout de 10-15 minutes je mets des petits morceaux. Parce que sinon moi ce que j'avais pensé c'est réchauffer un petit peu, tu vas les mettre dans la crème là, réchauffer un petit peu comme ça ils vont fondre. Directement à la crème ? Ouais. Bon, ça remet quand même de le faire en micro-ondes. Moi j'ai pas envie de sortir la casserole et tout en fait. Ah non. Bah non, je peux pas. C'est mes dents. Bah pour les animaux, oui. Oui, oui. Parce qu'en fait, c'est que du bicarbonate et du coup avec un peu de fragrance. Mais c'est comme quand tu mets du parfum comme ça, tu vois. Moi, nous, avec les chiens et tout, il n'y a aucun problème. Hein. Oui, et du coup, quelqu'un a marqué le linge. Bah pareil. Tu peux en vaporiser un petit peu sur ton linge, dans la penderie, etc. Adrien, il fait une glace au Kinder Maxi. Coucou Jojo. Alors, Nini, ce matin, elle a fait un test. Oui. Alors, c'était quoi ? Elle a acheté des fraises en sirop, c'est comme pour faire les salades de fruits là, en boîte, oui. En conserve. Les fruits en sirop en boîte, elle les a mixés, je crois. Ton Kinder préféré ? Oh, moi, c'est le Kinder Country préféré. J'ai pris du yaourt que j'ai fait cette nuit, j'ai ajouté du sirop de fraises bien remué et hop. Non, c'était aujourd'hui. Non, c'était hier. Non, il y a 2 heures. 130 g de yaourt que je devais finir, mixer les fraises, ajouter yaourt, remuer. Ah oui, mixer les fraises. Ouais. Donc elle a acheté les fraises en boîte. Vous savez, comme quand on fait les salades de fruits, là, en boîte. Elle a utilisé du coup un yaourt qu'elle a fait cette nuit avec la Borealia. Elle a mixé les fraises avec le yaourt. Elle a rajouté le petit sirop avec. Elle a mis dans la Borealia. Ça a fait une glace au yaourt fraise. Et apparemment une tuerie, ils ont adoré. Alors j'ai dit c'est trop bien parce qu'elle fait plein de tests comme ça. Ouais. Ça donne de super idées. Comme le Cookéo. Ouais, comme au Cookéo, elle teste toujours plein de trucs, et bah là elle fait avec la Borealia. Donc c'est super bien. Parce que ça vous montre que du coup, bah, avec peu d'ingrédients, vous allez pouvoir faire votre glace préférée, du coup, avec ce que vous avez envie. Voilà. Viens voir. Ce que tu mets sur les crèmes, ça. Je vous montre comment c'est. Les Kinder Maxi fondu. Là, maintenant, il va falloir attendre que ça refroidisse. Parce qu'on ne va pas la mettre chaude. Mais il faut que ça refroidisse aussi parce que ça va durcir. Mais ça va... Non, ça ne durcit pas, ça. Hein. Ouais. Non, ça va. Mais vu ça. Ah, c'est pas chaud. Tu peux le mettre dedans. Hein. Ouais. Oui. Donc mon live est bientôt fini ou pas ? Oui. Ok. Bah, parce que je voulais vlogger ça justement. Ah oui ? Donc j'attends juste que tu termines. Puis... Alors du coup, vous verrez pas. Il faudra regarder le vlog. Voilà. Donc on va continuer la recette. Moi je vais couper. Et puis demain par contre, je fais une recette. Non. Ah, demain on est jeudi. Non, demain on fait pas de recette. Demain on va. On va parler un peu endo, etc., santé, etc., etc. Et du coup, c'est vendredi. Vendredi, je fais une couronne estivale. Donc, vous savez, c'est avec le moule tarte couronne. Je fais une petite génoise. Ensuite, je poche du fromage frais, etc. D'ailleurs, regardez. Qu'est-ce que t'as fait ? Ah ! Il y en a un de l'autre côté. Non, c'est bouchon blanc. J'ai acheté du lait de chèvre. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? D'après vous? Ah.
Et ben je vais faire du fromage de chèvre, voilà. Mais du coup, du savon. Mais du coup, oui, vendredi, je fais la petite couronne estivale, donc on la mangera tous les deux le soir. C'est une couronne un petit peu apéritif, tu vois. Donc voilà, on fera ça vendredi. Moi aussi, il veut faire du fromage de chèvre. Bah bientôt, Lola. C'est au mois de mai, t'as dit. Ça vient bon. C'est quoi ça? Non, je connais pas. Ah! Toi, tu m'as pris pour une con, hein. T'as cru que j'allais le lire à voix haute. Google. Hein? Google. Non, regarde. T'as compris? En plus, c'était nul, ouais. Bon, du coup, je vous souhaite un bon après-midi. Nous, on va aller faire notre glace Kinder Maxi. Oui. Les sourcils sont... Alors, comme j'ai dit, les sourcils, je crois que c'est le seul truc que je ne fais pas. J'ai juste mis un peu de crayon. Des sourcils. J'ai juste mis un peu de crayon pour combler un petit trou, là. J'ai poussé. Voilà, bon, allez, je vous souhaite une bonne après-midi. Vous verrez la préparation de la glace Kinder Maxi en vlog. Donc, dans deux...